En route, pour le château Luthéran. Les défenses ennemies sont redoutables. Pour faire tomber le mur, nous allons diviser nos troupes en trois unités. Le flanc gauche escaladera le mur par l'ouest. De là, on attaquera par le centre. Je ressens une aura maléfique à proximité. Soyons prudents. Allez, dépêchez-vous! Les tours de siège partent bientôt! Signal au prince Tyraïn. Je vois de la fumée rouge. L'ouest est tombé. Très bien. Nous allons franchir les portes du château.
devons faire quelque chose. Il y a une barrière magique. Va être très compliqué de franchir la porte comme ça. Tout seul? Et qui a eu cette audace? Majesté, nous prenons le relais. Quant à vous, vous devez vous occuper de Sirist. Compris. Ne vous faites pas tuer dans un endroit comme celui-ci. Attention! Oh! Je vous laisse faire. Yeah.
Tyraïn, tu pensais vraiment que je resterais les bras croisés ? Sirist ! Voilà pourquoi tu es indigne du trône. Tout comme ton père. Tu n'as rien d'un roi ! Je suis le chef que le Luthéran mérite. Il est à moi ! Rends les armes, Sherisht. C'est terminé. Ce pouvoir démoniaque. Tu as vendu ton âme, Sherisht. Vendu? Non, je me suis emparé du pouvoir. Les humains et les démons ploieront devant moi. Je te montre mes nouveaux pouvoirs. Tu es encore là? Ils ne méritent pas le moindre de tes talents. Et si tu prêtais allégeance au véritable roi du Luthéran? Comme tu veux. Vu que tu souhaites mourir avec Tyraïn, je t'exaucerai. Te tuer sera un vrai plaisir! Contemple la puissance des ténèbres! Vous avez réussi à vaincre Sherisht. Épatant. Carmine, ouvre le portail! Eh bien, quelle impatience. Amusez-vous, maître Valdan. Commandant démon! Le maître de Victorieuse est en mauvais état. Que s'est-il passé, Carmine? Pardon, maître Valdan. Je sais que vous vouliez vous venger. Mais c'est elle qui a éliminé Sherisht. La tuer devrait vous plaire, non? Ce n'est pas ce que je voulais, mais soit. Cela dit, si tu m'interromps encore, tu seras le prochain! Compris. Il est à vous. Amusez-vous. Yeah!
Un peu plus difficile, comme Luthéran autrefois. Vous avez du talent, mais maintenant, fini de jouer. Stop! C'est mon combat. Victorieuse, j'ai longtemps attendu ce moment. Tes piètres pouvoirs de s'en mêler. Tyrael! Il est en vie? Oui, mais c'était un sale coup pour mon commandant bien-aimé. Victorieuse mérite sa réputation. Carmine! Et voilà le moment que j'attendais. Carmine, sale traître! Qu'est-ce que tu fabriques? Oui, oui, parfait. Voilà le pouvoir d'un commandant de Légion. C'est fantastique. Eh bien, vous faites une de ces têtes. Tout le monde a eu ce qu'il voulait, non? Profitez de votre victoire. Que nous prépare ce démon? Il semble que notre guerre soit enfin terminée. Enfin, nous voilà à la maison. Votre Majesté, vous allez bien? Où est Sherisht? Sherisht est mort. Votre Majesté, vous devez revendiquer le trône. Je ne devrais même pas être ici. Ce n'est pas une victoire. Tout ce sang qui a coulé est celui des Luthériens. Mais nous les pleurerons plus tard. Descendants de Luthéran, la guerre est finie. Regardez. Regardez autour de vous. Beaucoup ont perdu la vie. Le mur des héros est rouge de sang. Rappelons-nous pourquoi nous avons combattu. Nous avons lutté pour nos familles, pour offrir un avenir meilleur à nos enfants.
Alors relevez fièrement la tête. Nous sommes le Lutheran, la terre des chevaliers. Ce lieu fait partie de chacun d'entre nous. Rebâtissons une fois de plus notre histoire. Notre volonté ne faiblira pas. Nous recevons l'héritage de nos ancêtres. Et nous restaurons la gloire du Lutheran, la terre des chevaliers! Admirez, cette lumière est la vôtre. C'est l'aube d'un nouveau jour. Le Lutheran est sauf. Et c'est à vous que nous le devons. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Moi, le roi Tyrael, déclare qu'en remerciement de vos nombreux actes de bravoure, vous recevrez, séance tenante, le titre de chevalier royal et gardien du Lutheran. Gloire au chevalier royal! Nous devrions nous préparer. Merci. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. C'est maintenant à moi de vous aider. Nous avons du pain sur la planche. Devoir chercher les indices laissés par Naoun. Thank you.
roi Tyraïn vous a demandé de participer à la reconstruction du Lutheran ? En tant que capitaine de la garde royale, je me tiendrai aux côtés de Sa Majesté jusqu'à mon dernier souffle. Bienvenue, chevalier royal. Chevalier royal. Pour avoir protégé le monde mortel et fait honneur aux Lutherans, je vous octroie, moi, le roi Tyraïn du Lutheran, une forteresse. Je suis fier de pouvoir vous appeler mon ami. Cette forteresse sera une récompense à la hauteur de vos efforts. Puisse votre forteresse être emplie de la grâce de Régulus. Pensez à activer votre triport. Ça vous aidera pour voyager en terrain. Un, deux.
Halt! Seul le personnel autorisé peut entrer ici. Par les enfers de Dre, tu ne reconnais donc pas le champion de Château Luthéran? Vous voulez dire l'ami personnel du roi? Pardonnez-moi! Comme vous le savez peut-être, cet endroit est Lordali. Ici, les meilleurs guerriers tels que vous s'entraînent en livrant des combats honorables. Les grandes villes comme Château Luthéran en possèdent toute une. On les appelle des arènes. Vous pouvez vous inscrire en solitaire à l'arène pour prouver votre force. Mais vous pouvez aussi relever de plus grands défis avec des alliés. Seul ou accompagné, vous ferez face à des adversaires formidables. Mais je ne me fais pas de soucis pour le puissant chevalier au service du roi. Si vous souhaitez partir explorer le monde, vous devriez accumuler autant d'expérience de combat que possible. Pour vous inscrire à un match, vous pouvez le faire dans l'arène. Quelque chose me dit que votre nom figurera bientôt parmi ceux des plus grands champions de l'histoire de Lordali. Bonne chance! Quel endroit splendide! Oh, chevalier. Que faites-vous ici? Allez-vous rejoindre Lordali? Incroyable! Attention au Néphir! C'est une belle journée pour aller à Lordali. Quelle chanson devrais-je jouer? Apportez-moi ce que vous voulez. Ne passez pas à côté de cette offre. Maître Severus.
la musique. Bienvenue, aventurier. Bienvenue, maître. C'est un honneur de servir le chevalier royal. À votre service. Bienvenue. C'est notre maître. Maître, s'il vous plaît, donnez un nom à nos terres. Vous avez tous entendu ?
Saluons tous notre maître. 1, 2, 3. Épatant. Content de vous voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre chanson, maître? Aventurier? J'ai préparé quelques petites choses qui, je l'espère, vous faciliteront un peu la tâche. C'est à votre disposition pour consultation à n'importe quel moment, maître. Le climat est doux, et sur ces terres, les ressources sont abondantes. Avec suffisamment d'intérêt, cette partie du Lutéran pourrait bien devenir la meilleure. Avez-vous vu ça? En mode gestion, vous pouvez prendre toutes sortes de décisions. Cela nécessitait votre attention, de toute façon. Merci de vous en être occupé si rapidement.
Maître, nous avons un invité. Le maître de Rivag, Kals, a promis de nous donner des marins. Me voilà soulagée. Le seigneur Kals a l'air... Merci d'avoir fait tout ce chemin, seigneur Kals. Quand j'ai su que le chevalier royal allait avoir une forteresse, j'ai pensé que Kals Moronto ferait parfaitement l'affaire. Les marins et les provisions que j'ai ramenées du port devraient m'être utiles. Le seigneur Kals a l'air aimable. Vous ne trouvez pas ? Maintenant, permettez-moi de vous parler des marchands. Les marchands transportent avec eux des denrées rares.
afin de commercer avec eux, vous devrez d'abord signer un contrat. Une fois le contrat signé, les marchands viendront régulièrement dans votre forteresse. Joli. Nous aussi, on a de jolies choses. Jetez donc un œil. Permettez-moi de vous escorter jusqu'au manoir. J'ai fabriqué un dispositif spécial dans le manoir en me servant du livre ancien que Naoun a laissé ici. Le manoir offre toute une gamme d'effets bénéfiques qui influent sur le domaine. Choisissez-les avec soin. Vous pouvez également gérer le manoir grâce au livre. Mes explications étaient-elles trop rapides pour vous ? Les gens semblent avoir le moral. Je savais que vous étiez né pour diriger.
Le Lutéran a un présent pour vous et vos sujets. Mangeons, buvons et amusons-nous. Sa Majesté elle-même vous transmet ses félicitations.
Vous voulez écouter une... Sa Majesté a donné l'ordre de rouvrir l'hôtel des ventes pour relancer l'économie du Lutéran ? Gloire à Sa Majesté Tirai. Passez par le verger. En allant de près. Salut. Quel honneur d'avoir la visite du chevalier royal dans un endroit aussi modeste. Il faut nous remettre sur pied. Fleur ici! Vous aimez quelqu'un? Dites-le avec des fleurs! Savez-vous comment les autres continents s'en sortent? Il faut nous remettre sur pied. Saluons le héros. C'est vous qui avez aidé le roi Tirain.
Au nom de tous les habitants du comté, je vous remercie pour votre aide. Oh ! Vous souhaitez consulter les archives de mon ancêtre ? Vous voulez dire que vous avez besoin des clés du coffre-fort ? J'ai entendu votre conversation. Vous recherchez les archives de notre ancêtre qui se trouvent dans le coffre-fort. Maître Norin souhaite commander des outils agricoles haut de gamme ? Les armes ont été abandonnées par les soldats de Sherisht lorsqu'ils ont pris la fuite. À quoi pourraient-elles servir dans une ferme ? Ça appartenait peut-être aux rebelles. Mais ça pourrait bien servir.
Je suis grand et fort. Maître Norrin a dit que quelqu'un était en route. Il parlait de vous, n'est-ce pas? Comme je l'imaginais, même sa couleur est différente du fer habituel. Je vais le fondre, l'étaler et le battre. Maître Norrin m'a parlé de vous. Vous souhaitez voir le domaine ? Comment ? Mon frère m'a envoyé un cadeau ? Excusez-moi. Permettez-moi de me présenter. Je suis Elia, la fille de Bishu Naun.
veulent réduire les impôts de moitié. En voilà une bonne nouvelle. Nous pouvons enfin nous reposer. Notre vie s'est bien améliorée depuis que nous avons un nouveau roi. Ce soleil et cet air frais sont si agréables. Cet abominable Sherisht nous a complètement ruinés. Mais le nouveau roi semble comprendre nos problèmes. Thank you.
voulez transformer toute cette Tiorika en nourriture pour chevaux? Pouvez-vous répéter? Bichu? Il a envoyé toute cette Tiorika? Vous avez réussi. Il ne nous reste plus qu'à convaincre Oncle Bichu.
Maître Monterque vous a demandé de trouver des étalons pour le manoir de Bichu. Ça alors. Quels bons étalons ! Qui a la générosité de les envoyer ? Monterque. Oui, en effet. Ces chevaux viennent bien de lui. Plusieurs chevaliers du Lutéran sont venus protéger le tombeau du roi avec moi. Leurs âmes imprègnent mes soldats d'argile et vivront éternellement à mes côtés. Nous devons protéger le glorieux roi du Lutéran ainsi que le pouvoir de Genèse qu'il a endossé. Un jour,
lorsque le chant du héros retentira à travers le monde, la légende renaîtra. Le soleil au nord, le tombeau du roi. Dans la bibliothèque de Thermia, le silence s'impose.